Intelligente, belle, douce et posée, voici le portrait de notre reine de beauté du 237, Julia Samantha Edima. Julia Samantha Edima est née le 1er février 1995. Elle possède l'une des plus jeunes carrières actuellement dans le paysage de l'actorat au Cameroun. Elle a grandi à Offenbourg sur le Main en Allemagne et est actuellement la reine de beauté du 237 pour avoir remporté le concours Miss Cameroun 2022. Elle est également détentrice d'un Master 1 en communication des organisations. Sa carrière cinématographique démarre en 2018 au sein du label Black Film, aux côtés de Cynthia Elisabeth Gonon et Stéphane Nyon, tous deux cinéastes. Pendant près d'un an et demi, elle a été formée et managée par l'actuelle directrice générale de la société Temporelle. Elle a révélé par ailleurs que le cinéma n'a jamais fait partie de mes ambitions, d'autant plus que j'ignorais que j'avais cette prédisposition artistique. C'est donc sans grande conviction, mais encouragée par l'un de ses proches, qu'elle ira passer le casting du long métrage Fantasma, où elle réussira à obtenir le premier rôle. Elle jouera dans le film Trauma en 2019, où elle interprétera le rôle d'un photographe psychopathe qui jette son dévolu sur un père de famille handicapé. Lors des écrans noirs 2019, le film recevra le prix de meilleur film camerounais. Aux côtés de Alain Bomo et de Otavie Pondo pour le long métrage Rêve brisé de Eric Dupomagna, elle y jouera en 2020. Elle jouera également le rôle de Kim Ebanda dans la série à succès Madame Monsieur du réalisateur Ebenezer Kepombia, saison 1, 2 et 3. En 2021, elle obtiendra des rôles dans des œuvres cinématographiques telles que Loki, un film de Francis Kenyé et Bertrand Lonning, Le cri de mes sacrifices de Richard Niamey, la série Ndinga de Blaise Tedjou ou encore Dilemme de Maïté Bimbia. Hormis le domaine de l'actorat, elle a débuté une carrière de scénariste dans une série à venir de Ricky Pomania intitulée Misso. Ses ambitions sont d'ouvrir sa propre maison de production car d'après ses dits, je cite, « On ne peut pas être acteur toute notre vie, il faut laisser la place aux autres. » Et puis, la production est plus rentable, du moins quand on maîtrise l'environnement et qu'on a un bon canot d'adresse. La Terre n'a pour la plupart du temps que sa notoriété. Voilà qu'en peine 4 ans, Julia Samantha Edima s'est bâtie une filmographie plutôt riche et variée. Elle est aussi passionnée de dessin et souhaiterait dans son cœur avoir une carrière de femme de médias et pourquoi pas ouvrir sa chaîne de télévision. Il y a de cela quelques temps maintenant qu'elle a fait le lancement de sa fondation dénommée Julia Samantha Foundation, dont l'objectif premier serait d'apporter un soutien et un appui aux personnes souffrant d'affections psychiatriques. Au-delà de son talent d'actrice et de sa couronne de reine de beauté, Julia Samantha Edima est aussi une femme au grand cœur qui fait dans l'humanisme.